Bienvenue à la conférence Financer la recherche et le développement de votre entreprise, qui va être animée par Anaïs Détolle, qui est spécialiste au développement des affaires chez Mitax et Université de Montréal. Donc, Anaïs, en fait, elle aide les entreprises à répondre à leurs défis d'innovation en générant des partenariats avec le milieu de la recherche académique. À la fin de cette conférence, il y aura un petit 15 minutes de questions-réponses. Donc, je vous invite tous à fermer votre micro. On va veiller à ce que vos micros soient bien fermés, sauf pour les intervenants. Et je vous invite à mettre vos questions dans la petite bulle qui est en haut à droite, hein, la petite bulle de chat. Et puis, on pourra passer aux questions à la fin de cette conférence. Anaïs, je te laisse la parole. Merci Aurélie. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence. Je suis très, très heureuse de vous recevoir. Outre mon chapeau de spécialiste développement des affaires chez Mitax, je suis aussi analyste socio-culturelle de l'alimentation. Et donc, cette collaboration avec le CIAL me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir trois invités qui vous parleront des différentes possibilités de financement pour vos besoins en recherche et développement. On sait que, j'ai pas les chiffres avec moi, là, mais on sait que la recherche et développement au Canada, comparé à d'autres pays, il n'y a pas beaucoup d'investissements et pourtant, il y a plusieurs moyens. Et donc, on est très heureux ici aujourd'hui de pouvoir vous expliquer les moyens que ces trois organismes peuvent vous donner pour accélérer votre recherche et développement. Donc, tout de suite, je vais vous présenter notre première conférencière. Il s'agit d'Hélène Fortier, qui est administratrice des programmes partenariats de recherche du Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada, donc le CRSNG, depuis 12 ans. Elle est responsable de promouvoir et de traiter les subventions Alliance et Connexion pour les collèges, en plus d'organiser des conférences et des événements qui visent à rassembler entreprises et chercheurs pour générer, des partenariats de recherche. Hélène œuvre au sein du gouvernement et de l'industrie depuis plus de 20 ans, où elle a travaillé entre autres chez Thales Canada. Donc, Hélène, je te laisse la parole. Bon matin. Alors, Hélène Fortier du Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada. Le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada, c'est un des trois organismes subventionnaires. Changez la diapo, s'il vous plaît. Un des trois organismes subventionnaires qui encourage la recherche. Nous, on couvre toutes les sciences naturelles et génie, que ce soit chimie, physique, bio, maths, toutes les génies, ainsi qu'informatique et intelligence artificielle. Les autres organismes subventionnaires, on a le CRSH en sciences humaines et les IRSC en sciences de santé. En tout, le gouvernement du Canada investit 3 milliards de dollars par année dans l'innovation, que ce soit en recherche fondamentale ou en recherche appliquée. On change. Au CRSNG, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, 1,3 milliard de budget par année. On dessert 12 400 chercheurs en sciences naturelles et génie. 37 700 étudiants et plus de 3 800 entreprises, je pense, ce qui vous touche aujourd'hui. On est la plus grande source de financement dédiée aux partenariats université-industrie dans les STEAM, c'est-à-dire les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. On change. D'accord. Alors, c'est ça, je suis ici ce matin pour vous parler de trois petits outils qu'on met à votre disposition pour aider les entreprises à développer leur innovation. La première, c'est la subvention Alliance, qui est née il y a un an et demi, qui peut appuyer des petits projets à court terme avec un seul chercheur, des plus grands projets à long terme avec plusieurs chercheurs, collaboration entre chercheurs et plusieurs organismes partenaires. Tout est possible. On rend les subventions beaucoup plus flexibles, malléables, pour aider les collaborations de recherche. Faites à noter, les fonds vont toujours aux chercheurs. C'est toujours des fonds qui sont faits en collaboration pour aider les entreprises à aider leur innovation. On change. La subvention Alliance, assez simple, minimum de 20 000 $ par année, maximum de 1 million. Un an jusqu'à 5 ans, vous choisissez ce que vous désirez selon vos besoins. C'est vraiment adapté en fonction des projets de recherche pour aider les entreprises, puis en fait toutes les organisations à innover. On change. Sujet de recherche, comme j'ai dit tout à l'heure, on couvre toutes les sciences naturelles et génie,
Mais dans le but de se moderniser, le CRSNG, en créant la nouvelle subvention Alliance, a aussi élargi les domaines admissibles jusqu'à 30 % à l'extérieur du sciences naturelles et génie pour encourager justement les multipartenariats. On parle de là, si vous avez un projet de recherche qui est en marketing ou en sciences santé ou en psychologie, et vous avez peut-être besoin des sciences de technologie, que ce soit l'intelligence artificielle dans votre projet. Il faut que le projet soit à 70 % en sciences naturelles et génie, mais on peut aller à l'extérieur. Il y a 30 % qui peut être à l'extérieur de ce domaine-là, justement pour encourager le multipartenariat. Change. Partage des coûts. Donc, les grands organismes de 500 employés et plus, on parle d'entreprises privées, donc des multinationales, ou encore des organismes publics, que ce soit des ministères, des municipalités comme la Ville de Montréal. Ensuite de ça, je connais pas beaucoup d'OBNL qui ont en haut 500 employés, là, mais en gros, c'est ça. Le CRSNG va l'appareiller le même montant qui est investi dans le projet de recherche par l'organisation. Donc, si un organisme va investir 100 000 $, le CRSNG en argent comptant, le CRSNG va l'investir 100 000. Pour les organisations de plus petite taille, donc de moins de 500 employés, encore une fois, ça peut être des plus petites municipalités, ça peut être les OBNL, ça peut être des entreprises privées de moins de 500 employés, on va aller doubler la mise. Donc, on parle de si vous investissez 100 000, le CRSNG va aller investir 200 000 dans ton rendu dans un projet de 300 000. Maintenant, vous allez me demander si j'ai plus qu'un partenaire, il y en a un qui est grand et l'autre qui est plus petit. Le CRSNG va à ce moment-là appuyer à raison de 2 pour 1 pour encourager le multipartenariat. Est-ce qu'il y avait une question? C'est bon. On continue. Les partenaires, ils doivent, pour avoir un 2 pour 1, il peut y avoir une grosse entreprise comme Bombardier avec un de ses fournisseurs. Vous allez me dire, ben, le fournisseur n'a pas nécessairement d'argent comptant à investir dans le projet. C'est quoi comment est-ce qu'une grande organisation peut prouver que tous les partenaires sont essentiels au projet pour justifier le doublement de l'investissement? Les partenaires doivent, autant que possible, participer activement aux activités de recherche. Appliquer les résultats de la recherche au sein de leur entreprise par la suite, contribuer activement à la valorisation des connaissances pour générer des retombées. Les autres partenaires choisis peuvent être choisis en raison de leur capacité à produire des connaissances ou à les mobiliser. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez plusieurs partenaires, que tous ces partenaires, tous les partenaires répondent à tous les critères. Mais l'ensemble des partenaires doivent en arriver à un tout pour générer finalement le partenaire de recherche. On continue. Les exemples d'organisations partenaires, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Entreprises privées canadiennes, multinationales qui ont au moins 100 employés au Canada, que ce soit dans une installation de production ou une installation de recherche et développement. Donc, ce n'est pas juste un bureau de vente. Vous allez être en mesure d'appliquer les résultats de la recherche au Canada, on est là. Les entreprises étrangères sont admissibles à participer à ces partenariats-là, mais si elles n'ont pas d'installation au Canada, elles doivent absolument entrer en partenariat avec une autre organisation canadienne qui, elle, est admissible. Et à ce moment-là, le CRSNG va aussi appareiller les montants des entreprises étrangères dans le projet, pas juste les organisations canadiennes admissibles. Secteur public, municipalité, administration locale ou régionale, ministères fédéraux, provinciaux, sauf les organismes de financement, les entreprises de services publics, les sociétés d'État de la Couronne, les organismes autochtones sont aussi admissibles aussi. Sans but lucratif, on parle de groupes de producteurs, des associations sectorielles ou industrielles, des organismes de bienfaisance en sciences naturelles et génie, les musées, les bibliothèques, les zoos, les groupes autochtones, les groupes communautaires sont maintenant admissibles aussi. Donc, ça permet vraiment un beaucoup plus grand éventail de partenaires admissibles pour finalement aider à faire avancer l'innovation dans les entreprises et les organisations. On passe à la diapo suivante. Il y a une petite option où le CRSNG peut aller couvrir jusqu'à 90 ou 100 % des coûts.
Ça prend au moins un ou plusieurs organismes partenaires pour être admissible au projet. Pour la phase de lancement, l'option 2, c'est de 30 à 100 000 $ par année pour des projets de 1 à 5 ans. C'est vraiment pour des projets qui vont avoir un impact sociétal et économique à très grande échelle. Donc, ce n'est pas donné automatiquement un projet. Je dois vous admettre que le taux de succès en ce moment est très, très bas, justement parce qu'il y a beaucoup de demandes qui sont faites, mais elles ne répondent pas aux critères de l'option 2. Il faut que le projet, finalement, implique l'ensemble de la chaîne d'innovation. Vous avez le chercheur, vous avez l'organisation, vous avez des fournisseurs et vous avez aussi les utilisateurs finaux. Il faut que tout le monde soit impliqué dans le projet. Pour plus de questions, je ne m'attends pas vraiment là-dessus ce matin. Je vais communiquer avec moi, je peux en discuter plus longuement. Diapo suivante. Donc, le CRSNG aide aussi les collèges, les CCTT, les centres collégiaux de transfert de technologies. On en a 59 au Québec, par des plus petites et des moyennes subventions qui sont disponibles. On a d'abord la subvention d'engagement partenarial, Engage, SEP, choisissez l'acronyme. C'est une subvention qu'on accorde aux chercheurs pour une première collaboration de recherche avec une entreprise privée qui a au moins 2 employés à temps plein et 2 années d'exploitation. Donc, on sort un peu, on restreint un peu pour les collèges, les partenaires admissibles, forcément sur une entreprise privée. Première collaboration sur 6 mois, il n'y a pas eu de collaboration antérieure. Le CRSNG donne 25 000 $ aux chercheurs pour aider à solutionner une problématique d'entreprise. C'est pour vraiment que ce soit une première collaboration. Il y a possibilité de poursuivre par la suite avec le SEP+. Si jamais 6 mois, c'est pas long pour répondre à une collaboration, il y a possibilité de prolonger pour un autre 6 mois à condition que le partenaire investisse au moins 12 500 $ en argent comptant et le CRSNG va aller appareiller le même montant. Dans le fond, si vous n'avez pas besoin du 25 000 au complet, le CRSNG va appareiller tout simplement le même montant que l'entreprise va investir dans la prolongation. On continue, et c'est ma dernière diapo. Recherche et développement appliqué. On parle de projets de plus longue haleine, toujours avec des collèges et des entreprises privées qui ont au moins 2 employés et 2 années d'exploitation. Il y a 2 options pour le RDA. Il y a la première des choses, la première possibilité, c'est des projets qui peuvent aller jusqu'à 3 ans de côté ou de l'autre. Pour une subvention d'au plus 75 000 $ par année, le CRSNG va demander à l'entreprise d'investir la moitié de ce montant-là dans le projet. Et de cette moitié-là, moitié, donc 25 % du projet, doit être en argent comptant et l'autre 25 % peut être en nature et ou en argent comptant. Donc, ça, c'est le premier volet. Si vous voulez avoir une subvention qui est supérieure à 75 000, qui peut aller jusqu'à 150 000, on va demander à l'entreprise d'investir le même montant qu'il demandait au CRSNG dans le projet de recherche avec au moins 40 % en argent comptant. Alors, c'est les 3 petits outils que je vous offre ce matin pour aider vos entreprises à innover. Vous avez nos coordonnées ici. Il n'y a aucune date limite pour aucune des subventions que je vous ai mentionnées. Donc, c'est disponible en tout temps. Dès que vous avez trouvé un chercheur, si vous avez besoin d'aide pour trouver un chercheur ou quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec nous sans problème et puis on va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Alors, je remercie le CIAL de nous avoir invités à participer à la conférence et je suis ouverte aux questions si jamais il y en a. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Oups, ça résonne beaucoup. On va garder les questions pour la fin, je pense. À moins que Mirsadan ne soit pas là, est-ce qu'on a notre représentante d'Investissement Québec avec nous? Oui, Je elle est suis là. connectée. Parfait. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, parfait. Bien, merci beaucoup, Hélène. Les programmes sont très intéressants. Alors, prenons le temps de voir les trois présentations, puis ensuite, on va pouvoir avoir des questions du public. Donc, je poursuis tout de suite avec notre prochaine invitée, Mirsada Chtegu.
J'espère que je prononce bien. Oh, super bien. Alors, d'Investissement Québec, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, merci à vous. Madame Chégou est diplômée en administration des affaires, a presque 10 ans d'expérience en tant que conseillère en finances personnelles, analyste comptable et conseillère en développement économique. Elle a travaillé 7 ans dans le domaine bancaire et les départements des comptes payables et recevables d'entreprises internationales. Et depuis 2017, elle fait partie de l'équipe de la Direction régionale de Montréal auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour ensuite passer après chez Investissement Québec. C'est bien ça. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci tout le monde qui est connecté à faire partie de cette conférence. C'est ça, aujourd'hui, je suis là pour vous faire présenter l'offre de services d'Investissement Québec. Depuis le 18 juin 2020, avec l'intégration des équipes du réseau régional du ministère de l'Économie et de l'Innovation et d'Export Québec, Investissement Québec compte près de 1000 employés. Le réseau régional d'Investissement Québec compte actuellement 30 bureaux répartis dans 24 villes situées dans 17 régions administratives du Québec. On peut passer à la prochaine diapo. Nos 12 bureaux internationaux couvrent les principales régions économiques du monde, Amérique du Nord, où on peut mentionner Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York sûrement, l'Europe, Londres, Paris, Stockholm et Asie aussi avec Tokyo, Séoul, etc. La prochaine diapo. Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Vous pouvez voir ici le mission. Prochaine diapo. Investissement Québec est une société d'État qui joue un rôle clé dans le développement économique du Québec en stimulant la création d'emplois et les investissements dans toutes les régions. Par nos solutions financières, nous pouvons soutenir les entreprises par des services conseils et d'autres mesures d'accompagnement. On a différentes clientèles en mentionnant les entreprises québécoises de toute taille, les PME, les grandes entreprises, les coopératives et les entreprises d'économie sociale. On a aussi les entreprises étrangères ayant des projets d'implantation au Québec, mais aussi des filiales d'entreprises étrangères déjà établies au Québec. On peut passer à la prochaine. Oui, ça, c'est le service d'accompagnement offert principalement via le réseau de 17 régions, directions régionales. Les services d'accompagnement sont administrés par des spécialistes, les conseillers en développement économique, bien implantés dans leur environnement économique. Ces spécialistes-là peuvent mieux cibler leur intervention et répondre rapidement aux besoins ponctuels des entreprises. Leur connaissance des milieu facilite la coordination du travail avec les partenaires locaux et accélère la réalisation des projets. Vous pouvez voir ici l'offre du réseau régional, le déploiement des programmes et stratégies, aussi l'accompagnement des entreprises. Investissement Québec propose une gamme élaborée de services d'accompagnement pour soutenir les entreprises. Vous pouvez voir le soutien financier aux entreprises et aux organismes, gestion administrative et mise en ligne des programmes d'aide financière. Côté accompagnement des entreprises, c'est vraiment le plus connu, on peut mentionner l'accompagnement conseil stratégique qui est fait par les conseillers en développement économique. Le MEI conçoit et met en œuvre divers programmes d'aide financière, lesquels sont gérés par IQ, ça veut dire Investissement Québec, et vise à soutenir les entreprises dans la poursuite ou l'accroissement de leur activité. Que vous souhaitez démarrer, accroître ou vraiment diversifier les activités d'affaires ou de recherche,
voici quelques programmes d'aide financière que nous offrons qui peuvent appuyer votre démarche. Le programme exportation est vraiment connu. Le programme innovation, paiement en action, mais aussi le programme Audi 4.0, Audi Industrie 4.0 et toutes les autres que vous voyez plus bas. Prochaine diapo. Investissement Québec a aussi le département de financement. L'offre de services d'IQ est complète et diversifiée. Elle propose du financement, d'investissement, de la prospection, de l'accompagnement et de la gestion de fonds. La société agit aussi comme mandataire du gouvernement du Québec. On peut voir toute l'offre et les solutions qu'Investissement Québec offre. Investissement Québec est là à toutes les étapes de croissance aussi des entreprises. On peut passer à la prochaine diapo. Nos experts sont en mesure d'accompagnement, d'accompagner les entreprises vers les ressources et le type de financement approprié selon la nature des projets et les besoins financiers. Autres les projets de commercialisation, de productivité, de croissance et de transfert d'entreprise, IQ soutient aussi d'autres projets tels que l'achat d'équipements et de bâtiments, recherche et développement, innovation, développement de produits ou de marchés, achat, construction, rénovation, etc. Vous pouvez voir aussi dans ce diapo les étapes de croissance des entreprises, puis aussi tous les types et les mesures qui sont appropriées pour selon de ces étapes. Prochaine diapo. IQ peut aider les entreprises à financer différents projets en leur accordant un prêt, une garantie de prêt ou un financement par quasi-capitaux propres. Vous pouvez voir ça, financement minimal 50 000 $, financement pouvant couvrir jusqu'à 100 % des coûts de projet, financement à court ou à long terme jusqu'à 25 ans, moratoire de remboursement du capital possible, aussi garantie de prêt aux modalités variables selon la situation de l'entreprise. IQ peut les accompagner en tout stade de leur développement, dans leur projet de fonds de roulement ou l'immobilisation. Prochaine diapo. La gestion de mesures fiscales aussi est assurée par trois organismes gouvernementaux, incluant Investissement Québec, mais en primus, c'est le ministère des Finances qui élabore les mesures fiscales en précisant les critères d'admissibilité. C'est Investissement Québec qui a la responsabilité de délivrer les certificats ou les attestations d'admissibilité. Puis à la fin, c'est Revenu Québec qui a la responsabilité d'administrer la loi sur les impôts, mais aussi lorsqu'un critère d'admissibilité relatif à une de ces mesures est indiqué dans la loi sur les impôts, c'est Revenu Québec qui vérifie si ce critère est respecté. Par exemple, vous savez que c'est Revenu Québec aussi qui est le responsable de la vérification du calcul du crédit. Prochaine diapo. Investissement CRIC est le Centre de recherche industrielle appliquée d'Investissement Québec. Son rôle est double. Il fournit des services d'accompagnement technologique en innovation industrielle, en plus de réaliser des simulations, des essais et des analyses. C'est en quelque sorte une boîte à outils. Une boîte à outils avec des méthodologies éprouvées pour répondre aux besoins des entreprises. Les conseillers industriels sont là pour sont à la porte vraiment d'entrée vers le service. C'est à eux qu'il faut s'adresser pour en connaître plus de détails sur tout ce qu'ils peuvent faire. Prochaine diapo. C'est aussi Investissement Québec International. Alors, à l'aide à l'exportation est regroupée au sein d'Investissement Québec International. IQI, comme on l'appelle, Investissement Québec International, le point focal de l'aide à l'exportation, met l'accent sur l'identification, la préparation et l'accompagnement des entreprises québécoises présentant le meilleur potentiel à l'exportation. Les experts d'Investissement Québec Exportation offrent un accompagnement personnalisé aux PME et aux grandes entreprises dans leur démarche de développement de marché hors Québec.
On peut voir que ce soit l'attraction, pardon, d'investissements directs étrangers, mais aussi le soutien à l'exportation, à l'internationalisation. Oh my God, j'ai bien prononcé à la fin. Dernière diapo, c'est les services offerts par l'exportation et l'équipe de IQI. C'est l'identification des marchés porteurs et d'occasions d'affaires, la mise en relation avec des clients et des partenaires potentiels, la conformité des produits destinés à l'exportation, la validation financière d'un partenaire étranger, le soutien auprès des autorités locales pour les projets majeurs à l'étranger, mais aussi le soutien à l'implantation commerciale à l'étranger. Vous savez, il y a 12 bureaux internationaux, lesquels sont en disposition de toutes les entreprises qui veulent vraiment aller à l'étranger à exporter. Ça, c'était mon dernier diapo. Pour plus de détails, il y a le site web d'Investissement Québec, investquebec.com. Il y a aussi le site web du ministère de l'Économie, c'est economie.gouv.qc.ca. Je peux mettre aussi mon adresse courriel dans le partie chat si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de détails sur l'offre de service. Côté accompagnement, moi, je fais partie de l'équipe d'accompagnement, mais j'ai mes collègues de financement, CRIC et exportation que sont toujours disponibles à vous aider dans vos démarches. Merci beaucoup, Mercedes. C'était très intéressant. Merci à vous. Je ne connaissais pas les programmes d'investissement Québec. Je pense que ça peut être extrêmement utile à toutes les compagnies qui sont au CIAL et qui, justement, pour la plupart, cherchent à pouvoir exporter leurs produits. Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Sans plus tarder, je vais passer à notre dernière présentation aujourd'hui. Puis ensuite, écrivez vos questions dans le chat. Il n'y a pas de souci. On pourra y répondre tout de suite après. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter ma collègue Marie-Laure de Boutré, qui détient une maîtrise en génie civil et un doctorat en génie de l'environnement, dans lequel elle a effectué de la recherche sur le traitement des cyanobactéries. Et c'était à la Polytechnique Montréal. Ce qui est intéressant, c'est que justement, elle a une sensibilité à la biologie et donc probablement à plusieurs de nos producteurs ici. Je vais demander à tout le monde de fermer leur micro, s'il vous plaît, parce qu'on entend de l'écho. C'est possible. Donc, son rôle en ce moment, en tant que spécialiste, directrice au développement des affaires chez Mitax, et d'encourager le développement de projets de recherche multidisciplinaires dans des collaborations entre l'industrie et le milieu académique. Et elle s'occupe particulièrement des startups et des projets internationaux. Elle est aussi basée à Santec. Marie-Laure, c'est à toi. Merci Anaïs pour cette introduction. Mais ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour justement vous parler un petit peu d'innovation et de comment Mitax peut répondre aux besoins que les entreprises peuvent avoir. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer ma présentation par une question. Qu'est-ce qui empêche une entreprise d'innover? Donc, probablement que toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui présentes, que ce soit les entreprises ou des partenaires de financiers, donc des organismes qui ont des subventions et des conseils pour les entreprises, ont une idée de la réponse à cette question-là. Parce que c'est quand même une question qui est super importante, surtout dans la société actuellement. Et pour aider nos entreprises à croître, de pouvoir répondre à cette question-là, qu'est-ce qui empêche une entreprise d'innover? Donc, vous avez probablement chacun déjà des éléments de réponse. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on va regarder ensemble, disons, les trois raisons principales qui empêchent une entreprise d'innover. On a à la base une expertise qui est insuffisante au sein des entreprises. Que ce soit une PME, une start-up, parfois une grande entreprise, on n'a pas forcément toujours les experts dont on a besoin pour aller plus loin dans l'innovation, dans les développements technologiques qu'on voudrait faire. On en a certainement des très bons, mais parfois on a besoin d'une expertise supplémentaire qu'on n'a pas à l'interne et qu'il faut aller chercher pour pouvoir nous aider à innover quand on est une entreprise. Une autre
une autre chose qui pourrait nous empêcher d'innover, c'est l'équipement technologique qu'on n'a pas. On veut développer un produit ou un procédé, mais on n'a pas forcément le laboratoire qui nous permet de faire les analyses ou les machines qui peuvent nous permettre de produire la nouvelle puce qu'on veut développer. Ou encore, on aurait besoin de serres super importantes ou avec plein de capteurs différents pour pouvoir développer une nouvelle variété, par exemple, qu'on veut produire, des choses comme ça. Donc, on n'a pas forcément l'équipement dont on a besoin. Et le troisième élément, c'est qu'on n'a pas forcément le budget dont on aurait besoin pour innover, donc pour mettre en place un nouveau produit, par exemple, ou pour améliorer un processus à l'interne. Donc, ces trois éléments-là sont peut-être les trois éléments principaux qui empêchent une entreprise d'innover. Et pour justement soutenir nos entreprises, que ce soit au Québec ou au Canada, dans l'innovation, bien, il faut pouvoir répondre à ces besoins-là des entreprises. Donc, MITAX, ça a été un petit peu son rôle ou son mandat. Ça a été vraiment d'identifier vraiment les besoins des entreprises, puis qu'est-ce qui les empêchait d'innover. Donc, ces trois points-là, et de dire, bon, bien, on va adresser ces points-là à travers notre offre de service, à travers nos programmes pour aider nos entreprises à innover, à aller de l'avant, à croître, à grandir, à exporter et donc à être viable et à croître. Prochaine diapo. Donc, c'est pour ça, en fait, que l'organisme MITAX a été créé pour répondre à ces besoins-là qui ont été identifiés au niveau des entreprises. Donc, MITAX, qui on est? À la base, MITAX, on est un organisme à but non lucratif. Donc, souvent, on est confondu avec le CRSNG ou avec le gouvernement, que ce soit le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial. Donc, on est non gouvernemental, on est vraiment indépendant. On est un OBNL. Et notre mandat, c'est vraiment de soutenir l'innovation, donc de soutenir les entreprises et les aider à grandir et à croître. Et on fait ça à travers des partenariats, notamment des partenariats avec le milieu académique. Donc, on a 67 partenaires postsecondaires au Canada. On travaille avec toutes les universités qui font de la recherche et développement. On travaille même avec des universités qui ne font pas de recherche et développement et on travaille aussi avec les cégeps. Ça fait plus de 21 ans qu'on existe. On a soutenu jusqu'à maintenant plus de 35 000 projets de recherche et développement. On a environ un peu plus de 200 employés chez MITAX. Et on est un organisme pan-canadien. On est né à Vancouver et on s'est étendu jusque dans l'est du Canada. Donc, on a plus de 30 bureaux et on a quatre principaux centres, soit à Vancouver, à Toronto, à Montréal et à Ottawa. Donc, on est vraiment partout au Canada et on est là pour vous aider, donc pour aider les entreprises à se développer. Donc, MITAX, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme, mais c'est un petit peu comme une boîte à outils pour les entreprises. Puis, on a différents programmes et différents services qui vont pouvoir répondre à des besoins spécifiques que les entreprises peuvent avoir. Et notamment, on va adresser les trois besoins principaux qu'on a vus qui étaient un frein à l'innovation. Donc, on va permettre aux entreprises d'avoir un accès aux établissements postsecondaires, donc un accès au cégep, un accès aux universités où on peut trouver l'expertise pour innover, où on peut avoir accès justement à du matériel, à des outils, à des talents, à des laboratoires, donc avec des outils technologiques qui vont permettre d'innover. Au Québec, on a la chance d'avoir des CCTT, c'est-à-dire des cégeps qui sont ultra pratiques et qui permettent justement aux entreprises et particulièrement aux PME d'aller chercher une expertise, d'avoir accès à une technologie pour innover. Et on a plein de programmes pour ça, que ce soit justement au CRSNG ou chez Investissement Québec, qui peuvent vous aider à faire ces partenariats, évidemment chez MITAX aussi, qui peuvent vous aider à faire ces partenariats, à créer ces liens, ces ponts-là avec le milieu académique. Donc là, je parle vraiment aux entreprises. Là, on peut vous aider à créer ces ponts et à aller chercher cette aide dont vous avez besoin pour vous développer et innover. Et évidemment, MITAX offre aussi un soutien financier, dans le fond, pour vous aider à développer votre technologie et à innover. Donc, on peut aider sur plusieurs aspects dans l'entreprise. On peut vous aider pour l'exploration de technologies perturbatrices. On peut vous aider au niveau de la commercialisation, on peut aider au niveau de l'optimisation de produits et de processus ou encore au développement de nouveaux produits. Fait que
J'allais dire, peu importe le besoin de l'entreprise, on va être capable de voir quel est votre besoin et de vous aider à croître. Prochaine diapo. Donc, Mitax, comment, chez Mitax, on va travailler d'abord à partir de votre réalité, donc de la réalité de l'entreprise. On va s'asseoir avec vous, puis on va regarder qu'est-ce que vous avez comme besoin, qu'est-ce que vous voulez faire, quel est le projet que vous avez, est-ce que c'est un petit projet, est-ce que c'est un gros projet, quel type de collaboration serait bonne pour vous, et en fonction de ce que vous voulez faire, on va identifier les différents acteurs qui vont être capables de vous aider. Ça peut être un cégep, ça peut être une université, ça pourrait être un programme de Mitax, ça pourrait être un programme, parce qu'en fait, on travaille beaucoup, vous avez vu la présentation de Hélène du CRSNG, de Mirshada de Investissement Québec, on travaille beaucoup avec les différents organismes partenaires pour vous aider à trouver les meilleurs outils pour vous aider dans votre projet. Fait que parfois, ça peut être un programme de Mitax, mais parfois, ça va être un programme du CRSNG, parfois, ça va être un programme d'Investissement Québec. Puis dans certains cas, on est capable d'utiliser plusieurs programmes en même temps aussi pour avoir du cofinancement en fonction de ce que vous voulez faire puis en fonction des programmes qui sont disponibles aussi. Fait qu'on va vous aider à identifier ce dont vous avez besoin pour votre projet. On va vous aider également à recruter le talent parce que parfois, trouver le bon talent, la bonne expertise puis les gens qui vont être capables de développer les projets pour vous. Fait que les gens qui vont vraiment travailler avec vous sur des projets d'innovation, c'est pas toujours évident de trouver les bonnes personnes. Fait qu'on est là aussi pour vous aider à recruter cette talent-là, qui est souvent un besoin criant au niveau des entreprises. Et évidemment, on va vous fournir un soutien financier pour les projets de recherche et développement ou pour les autres projets que vous voulez développer. Donc, c'est vraiment tout ce que Mitax peut offrir et on part vraiment du besoin de l'entreprise quand on travaille avec des entreprises pour les aider. On a plein de programmes de subventions pour soutenir les entreprises. Je ne vais pas rentrer en détail dans chacun des programmes. Si jamais vous avez des questions, ça, vous pouvez venir. En fait, vous pouvez me contacter ou contacter Mitax, que ce soit ma collègue Anaïs ou plusieurs autres de mes collègues, parce qu'on est vraiment partout au Canada pour répondre à vos besoins. Donc, je ne rentrerai pas en détail dans les programmes, mais je vais juste présenter certains éléments qui sont présents à travers pratiquement l'ensemble de nos programmes qui permettent de soutenir les entreprises. Donc, c'est vraiment comme un modèle de financement qui s'applique à différents programmes. Donc, on peut créer des projets de différentes envergures, des petits projets comme des gros projets. Le projet le plus petit qu'on peut créer, c'est un projet de 4 mois où on va faire un partenariat, par exemple, avec un professeur et un étudiant qui va venir travailler sur une problématique très particulière de l'entreprise. De façon générale, Mitax va financer jusqu'à 50 % des projets et peut aller jusqu'à 55 % des projets qui seront financés. Et on va vous aider à trouver les experts pour travailler avec vous sur ces projets-là, que ce soit dans les cégeps ou dans les universités. Donc, on a accès à plus de 33 000 chercheurs à travers le Canada. Donc, c'est vraiment énorme. Et on peut même aller chercher de l'expertise à l'étranger. On peut vous aider aussi à ce niveau-là si votre besoin est à l'étranger. Donc, on travaille avec des entreprises au Canada ou des entreprises à l'étranger. On peut travailler avec des experts au Canada et des experts à l'étranger. Donc, il y a toujours une composante internationale qu'on peut rajouter dans les projets si cela correspond aux besoins de l'entreprise. Donc, je voulais juste vous donner 2 exemples, comme on est au CIAL, qu'on est dans un salon de l'alimentation, 2 exemples de projets qu'on a financés qui viennent de ce domaine-là. Donc, un projet avec le Centre d'expertise en fromagerie du Québec. Donc, un projet où on avait un défi qui est d'améliorer le rendement des PME fromagères du Québec parce que le rendement n'est pas toujours là dans les entreprises. On a des super belles entreprises, mais elles ont de la difficulté à optimiser leur processus. Donc, il y a un projet qui a été développé avec ce centre d'expertise-là et la Polytechnique de Montréal
pour justement développer des outils qui vont permettre aux entreprises fromagères de mieux contrôler leur processus, de mieux comprendre aussi ce qui se passe au niveau de leurs préférences et d'optimiser justement les performances. Donc, il va vraiment y avoir des indicateurs qui seront développés pour les entreprises fromagères. Donc, ça, c'est un outil qui est super intéressant et qui a vraiment permis d'augmenter la productivité des fromagères. Donc, c'est un projet qui a vraiment bien fonctionné puis qui est super intéressant. Et dernière diapositive dont je vais vous parler, un deuxième projet qui a été fait avec une entreprise qui s'appelle Au cœur de la pomme. Donc, évidemment, c'est une pommeraie du Québec, de Frillishburg. Et eux, ils avaient un produit qui avait été développé par Raspberry Scientific. Donc, un produit sur qui utilise des copeaux de bois pour produire un cidre, pour produire du cidre. Et là, ils avaient besoin d'optimiser, de modifier en fait la technologie qu'ils avaient reçue parce que les copeaux frisés, qui sont des types de copeaux qu'on obtient en ébénisterie, ben sont beaucoup plus rares sur le marché. Donc là, il fallait modifier la technologie parce que cette ressource-là dont ils ont besoin pour faire leur vinaigre n'est plus disponible. Et comme elle se fait très rare, elle devient très dispendieuse. Donc, il fallait trouver une alternative à ces copeaux-là. Donc, on a vraiment travaillé pour optimiser la technologie et trouver d'autres éléments qui vont permettre de continuer à produire du vinaigre, mais de manière un petit peu différente, en utilisant quand même la technologie ou ce qui avait été développé pour eux. Donc, ça a été un projet qui a été fait avec l'entreprise de Sherbrooke, un super beau projet également qu'on a soutenu. Donc, je remercie nos partenaires financiers qui soutiennent MITAX. Comme j'ai mentionné, MITAX, on est un organisme non lucratif. On est financé par le gouvernement fédéral et par les 10 provinces canadiennes ainsi que le territoire du Yukon. Donc, ça termine ma présentation et merci à tous. Merci beaucoup, Marie-Laure. Encore une fois, très intéressant. Je pense que c'est très intéressant de voir à quel point ces trois organismes se complètent les uns les autres dans l'offre de financement de recherche et développement et les autres services aux entreprises. Donc, on est ouvert aux questions. On a 14 minutes maintenant. Si vous avez des questions, ça peut être des questions très pointues ou générales. Je pense qu'en attendant qu'il y ait des questions, j'aimerais moi vous poser une question, peut-être Hélène, et puis après je passerai à Mirsada. Avez-vous des exemples, pourriez-vous nous donner un exemple d'un projet qui vous vient en tête rapidement, pas nécessairement dans le milieu de l'alimentation, mais idéalement peut-être dans le milieu de l'alimentation, juste pour donner un exemple concret aux entreprises qui ne connaîtraient pas leurs possibilités de recherche et développement? Ben, il y en a un qui me vient en tête automatiquement, ça fait un bout de temps, mais c'est encore d'actualité, c'est la microbrasserie La Barberie à Québec, qui avait besoin d'optimiser leur processus de fermentation. Ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de pertes et ils voulaient finalement voir comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer tout le processus. Donc, ils ont fait affaire avec une chercheuse de l'INRS. Ça a commencé tout d'abord par une subvention d'engagement partenarial avec les universités qui n'existent plus, mais qui est encore d'actualité pareil, maintenant avec Alliance. Et c'est ça, sur 6 mois, le CRSNG a donné 25 000 $. Et par la suite, ils ont continué, ils ont poursuivi par l'ancien programme aussi par la suite, qui s'appelait Recherche et loi coopérative, sur un projet de 3 ans. Et ils ont réussi avec ça à diminuer le temps de fermentation de moitié de la production de leur bière au centre-ville. Ils sont vraiment situés au centre-ville de Québec. Et aussi de doubler leur production. Donc, ça a fait 4. Ils ont diminué de moitié le temps et doublé la production. Donc, c'est juste un exemple comme ça dans ce milieu-là. Il y en a beaucoup en alimentation et en agriculture avec le CRSNG, il n'y a pas de problème. Donc, dès qu'une entreprise croit qu'elle n'a plus les possibilités à l'interne pour pouvoir poursuivre, qu'elle a besoin d'expertise externe,
Pourquoi travailler en double, essayer de chercher finalement à l'interne quand vous pouvez faire affaire gratuitement à de l'expertise spécialisée qui ont toutes les ressources, qui ont des étudiants pour les aider, pour aider à développer le projet. Et finalement, pour vous à l'interne, ça va vous sauver de l'argent parce que vous ne passez pas, il n'y a pas d'employés qui vont être investis à ça. Ensuite de ça, ça va vous sauver de l'équipement et compagnie parce que je ne veux pas réaliser un projet de recherche, ça coûte de l'argent. Donc, tout ça vous fait économiser du temps et de l'argent et aussi permettre de progresser beaucoup plus vite. Donc, voilà. Merci. Mersada, avez-vous un exemple à nous donner? Nous autres, on travaille avec beaucoup d'entreprises, PME, grandes entreprises ou vraiment des entreprises étrangères. Étant donné qu'on a plusieurs programmes, mais aussi le financement, on a beaucoup d'exemples. Je ne sais pas lequel vous choisir, mais je peux vous dire qu'actuellement, on est dans l'ère d'innovation. Le programme Innovation est vraiment connu auprès de Investissement Québec. Je peux vous mentionner une entreprise, je ne sais pas si je peux mentionner le nom, mais c'est une entreprise qui a vraiment une idée innovante à pouvoir utiliser les données financières de chaque entreprise et les faire traduire en données, des statistiques, des rapports pour mesurer l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, on peut dire qu'avec des outils tels quels des logiciels, des plateformes innovantes, on est vraiment vers le bon chemin. Montréal, il est vraiment la métropole de ça. On a d'autres entreprises, je ne sais pas, tout le monde a passé par Centre-ville de Montréal, vous avez vu spécifiquement dans la période des fêtes de fin d'année, les balançoires musicales. C'est une entreprise que nous autres, on a financée. C'est vraiment, on est vraiment contente par rapport à ça, voir comment l'entreprise essaye vraiment d'aller vers hors Québec, hors Canada, à l'international pour pouvoir promouvoir ces produits-là. Puis c'est le ministère de l'économie et de l'innovation, en collaboration avec Investissement Québec, qui a donné un coup de pouce à cette entreprise-là pour promouvoir ces produits. On a ce que le programme qui inclut aussi le secteur alimentaire et l'Audi 4.0, parce qu'il est ouvert à toutes les entreprises de tous les marchés. Actuellement, il y a deux volets. C'est le volet 1, la réalisation d'une diagnostic et d'un plan numérique, puis le volet 2, que c'est le plan de mise en œuvre de ce plan-là, le plan qui a été trouvé ou réalisé dans le volet 1. C'est vraiment aidant pour toutes sortes d'entreprises. On a aidé plusieurs entreprises dans le marché de restauration, mais aussi côté alimentaire. Pour plus de détails, j'ai mis aussi mon adresse courriel dans section chat, puis je peux vous mentionner des détails aux entreprises qui sont intéressées. Mais je vous invite encore à visiter le site web d'Investissement Québec pour plus d'informations. Bien, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais moi j'en ai plein. Alors ça tombe bien. Peut-être, ben, en commençant par Marie-Laure, attendez, j'ai quelqu'un. Oui, OK. Oui, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou si vous voulez prendre la parole, vous êtes les bienvenus aussi. Hein. Ma question, c'est peut-être, en commençant par Marie-Laure, ma question, c'est comment est-ce que les types de financement que Mitax offre s'adaptent à la crise actuelle? Et j'aimerais vous entendre aussi, Mirsada et Hélène, là-dessus après. Oui, merci Anaïs pour cette question. En fait, chez Mitax, on a effectivement, bon, il y a eu la crise, la crise du COVID là, qui a frappé fort les entreprises et on a constaté chez Mitax qu'on avait besoin de soutenir de façon peut-être encore plus, de façon plus importante nos entreprises parce qu'elles vivaient un moment particulièrement difficile. Donc, on a adapté nos programmes
aux entreprises. On a développé des offres spécifiques pour le COVID-19. On a notamment développé une offre où on payait 75 % du projet. D'habitude, on est plutôt à un ratio de financement de 50 %. On a offert jusqu'à 75 % de subventions dans certains projets qui ont été développés. On a eu également une offre spéciale pour le COVID-19, donc des projets qui répondaient à un besoin COVID-19 où là, on avait un ratio de 75 % et aussi également une analyse scientifique beaucoup plus rapide, ce qui permettait en fait à des entreprises qui ont fait un pivot ou qui avaient une technologie ou une réponse à la crise du COVID-19 de mettre en place plus rapidement un projet de recherche et développement pour trouver dans le fond des solutions rapides à ce COVID-19-là. Donc, on a vraiment soutenu des projets qui permettaient de répondre à la crise du COVID-19. On a soutenu des projets, peu importe le domaine, là, pour des entreprises avec un ratio de financement de 75 %. On a également étendu l'éligibilité à nos programmes. Donc, on a ouvert des programmes pour des étudiants du Cégep. On a ouvert aussi de façon plus large l'accès aux étudiants de bac à nos programmes. On a créé un nouveau programme aussi pour des étudiants de l'université qui avaient perdu, par exemple, leur stage en entreprise cet été parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas pu prendre de stagiaires. Donc, on a permis à ces étudiants-là de se trouver des stages à l'intérieur de l'université. Donc, on a créé des programmes pour ça. On a également créé un programme pour aider les entreprises à faire un pivot en fonction de leur nouvelle réalité économique et de les aider sur leur plan d'affaires, la commercialisation, pour les aider aussi au niveau du marketing. Donc, on a créé des programmes pour ça. Donc, on a eu plusieurs réponses là, qui ont permis aux entreprises de s'adapter et d'utiliser des programmes pour s'adapter à la crise. Et certains de ces programmes sont toujours en cours, donc on invite, je pense que on invite les entreprises à nous contacter. Mirsada, voulez-vous en ajouter un peu? Avez-vous une adaptation qui est toujours en cours qui pourrait aider les entreprises qui sont prises avec cette crise-là? Oui, sûrement. Actuellement, à part que le ministère d'Économie et Innovation essaye vraiment d'adapter chaque programme d'aide financière, en incluant, par exemple, pour le programme exportation, une des activités admissibles était les expositions hors Québec. Actuellement, on a adapté ça à la situation en ajoutant aussi les expositions virtuelles parce qu'on voit que on participe de plus en plus à cette nouvelle réalité. On a aussi Investissement Québec, ce qu'il a fait, il a ajouté le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises. C'est vraiment à aider les entreprises dont les liquidités ont été affectées par la situation de la COVID. Il y a beaucoup de détails dans le site web de Investissement Québec, mais aussi il y a tout le numéro de téléphone, l'adresse courriel pour nous joindre pour pouvoir avoir plus d'informations. Aussi, il y a comme un ajout de moratoire sur le remboursement de capital parce qu'on sait que les entreprises sont de plus en plus affectées en ayant des problèmes de liquidité. C'est ça au général, mais comme je vous dis, l'offre de services d'Investissement Québec est tellement large que il y a des adaptations dans chaque produit. Moi, comme j'ai mentionné plus tôt, je fais partie de l'équipe d'accompagnement, mais il y a plusieurs départements, plusieurs équipes de côté financement, exportation, CRIC, qui ont des mesures spécifiques pour chaque de leurs produits, programmes et mesures fiscales. Merci beaucoup. Hélène? Oui, ben nous aussi, le CRSNG, on a reçu 15 millions de budget supplémentaire pour faire face à la COVID, pour aider justement les entreprises, spécialement les PME, à se réinventer, à s'innover et à trouver des solutions pour venir en aide à la crise du COVID. On a reçu 700 propositions là-dessus. On en a probablement, pour les collèges, pour des partenaires des collèges, on finançait 50 000 $ pour un an. Pour l'inverse.
Pour les universités, 50 000 $ pour un an. Pour les collèges, 75 000 $ pour un an. Donc, ça a été excessivement populaire. Nous, de notre côté, on pensait que les entreprises, face à aux difficultés financières, réinvestiraient moins dans la recherche. Mais ça n'a pas du tout été le cas. On a reçu 1 300 demandes de subvention Alliance. Donc, c'est au moins 20 000 $ par année depuis le début avril, depuis le début de l'exercice financier. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont réinventées, se sont adaptées. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont profité de cette crise-là. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé au niveau du CRSNG. Donc, ça va. Nous, de notre côté, ça va très bien. Donc, je vous encourage, dès que vous avez une idée à exploiter, Oui, allez-y à fond, on a des c'est ça. soupçons. Je vais juste rajouter avant de terminer parce qu'il nous reste 1 minute. Le gouvernement a été très généreux dans son investissement et donc nous sommes des organismes qui redistribuons cet argent-là. Donc, venez nous voir. Juste pour terminer, que vous sachiez que Mitax a un kiosque au Cial. Vous pouvez venir chatter avec nous et nous vous dirigerons selon vos besoins d'innovation vers les organismes, que ce soit Investissement Québec, que ce soit le CRSNG, que ce soit Mitax. Qui pourrait vous aider selon votre besoin d'innovation. Donc, merci beaucoup, Hélène Fortier, merci Ada Chtegou et Marie-Laure de Boutré pour votre présence. C'était grandement apprécié. À toi, Aurélie. Merci à tout le monde. C'était vraiment très, très riche en informations et je suis persuadée que les entreprises vont vous contacter rapidement, en tout cas, j'espère, pour les aider à innover. Moi, je vais juste ajouter un petit point, c'est que cette conférence va être disponible sur la chaîne YouTube du Cial Canada. Donc, à tout moment, vous allez pouvoir aller la visionner à nouveau, retrouver les contacts. Vous pouvez aussi retrouver Mitax sur la plateforme du Cial Canada. Donc, n'hésitez pas à aller poser toutes vos questions et revoir la conférence. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir.